Nous sommes venus répondre à l'invitation du Premier ministre chef du gouvernement qui nous a invités dans le cadre de ces consultations pour la composition du prochain gouvernement de la République. Dans tous les jours, nous l'avons remercié de cet honneur qui nous a été fait. Comme je l'ai dit durant lors des consultations avec le chef de l'État, on se sentait à chaque fois, depuis plusieurs années, que ce soit nos parents, nos aînés, comme des laissés pour compte, si je dois répondre à la phrase comme des filles de joie. Mais cette fois-ci, je crois que c'est une grâce que nous avons pris en considération et nous lui avons parlé pour ce qui est de notre ministère, le ministère de tutelle de nos artistes et musiciens, que nous souhaitons avoir à la tête de notre ministère un ministre qui a le vecteur culturel. Parce que tout le temps, ce que nous avons constaté, c'est beaucoup plus. C'est par le quota politique qu'on nomme les ministres. Or, c'est nous, la culture, comme pour le mandat du chef de l'État au niveau de l'Union africaine, son mandat est axé sur la culture, l'art et le patrimoine. Donc, sans l'apport de nous qui sommes les hommes du terrain, il n'aura pas la tâche facile. Et pour aussi, je dirais, l'accompagner dans ses lourdes responsabilités au niveau de l'Afrique, il faudrait que, même au niveau de nos conseillers culturels, dans les différentes représentations de notre pays. C'est ça, parce que, vous savez, notre pays n'a jamais eu un lobby sur le plan international, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan culturel. C'est maintenant qu'il doit essayer de voir ces, je dirais, ces manques, excusez-moi, pour remédier à cela.